une initiative intéressante, parce qu'elle inverse la logique qui est commune dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, en cela qu'elle part des profils des personnes volontaires pour faire partie de l'entreprise à but d'emploi. Elle part de leurs compétences, de leurs contraintes, de leurs attentes, et elle part également des besoins et des services et activités qui sont pas remplies sur le territoire. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, c'est dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise à but d'emploi qu'on va pouvoir apporter des questionnements sur la part que prennent les salariés aux décisions et sur le fait que, par exemple, dans l'entreprise à Mauléon, au départ, il n'y avait pas de directeur ni de poste de référent, et puis ça a été créé ensuite. Et donc j'aimerais bien en fait avoir plus de billes sur comment ça s'organise, le pouvoir hiérarchique et comment sont prises les décisions à l'intérieur de l'entreprise.